Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Je suis avec Dominique. Bonsoir. Dominique, on vient de terminer les 5 jours d'immersion. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton retour par rapport à ce qui s'est passé. Ça a été challenging pour toi. Et voilà, je voudrais savoir un petit peu comment tu as vécu cette semaine, avec quoi tu es arrivé et avec quoi tu repars, voilà, de manière la plus synthétique possible pour voilà pour donner un petit peu une vision de co comment on peut se transformer, qu'est-ce qu'on peut quelles peuvent être les prises de conscience et quelles ont été les tiennes pendant cette semaine. Ce que je peux dire, c'est que je suis arrivée bien chargée Avec un gros sac à dos. avec un gros sac à dos enfin, symbolique. Et du coup, la marche, la remise en marche, la rencontre à soi-même m'a permis de soulager et trouver un peu de légèreté, voilà, avec beaucoup de création d'espace. Espace de nouvelles choses, hein, de nouvelles prises de conscience. Et voilà, avec toute une comment, un cheminement. Et qu'aujourd'hui, c'est sûr, je suis plus la même. Non, il y a Alors, l'avant et il y a comment était l'après. la Dominique d'avant et comment est la Dominique qui repart là maintenant? La Dominique d'avant était beaucoup plus fermée. Était beaucoup plus en retrait du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une Dominique qui est plus ouverte, qui va vers le monde, puisqu'elle a déjà libéré certaines choses. Et que, bah, en même temps, tu as drivé un peu cette notion de cheminement et comment on y va, avec quel outil, etc. Donc, je repars aussi avec des outils concrets. Des choses qui sont à mettre dans un rituel et voilà, Pour avancer pas à pas pour après avancer l'immersion, ouais. pas à pas, comment tu disais, step Step by by step. step, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et quelles ont été, est-ce que tu peux nous partager quelques prises de conscience de cette semaine? Alors, prise de conscience de cette semaine. Je dirais que la première, c'est que j'étais vraiment dans un retrait au monde, que je m'étais Calfeutré, protégé, voilà, ouais. calfeutrée, protégée, et que ça, c'est une très très belle prise de conscience. Ensuite, une autre, c'était que ma vie m'appartient et que quel que soit le regard de l'autre, c'est moi qui la construis, c'est moi qui vais la mener et que tout est possible surtout. C'est que on est des êtres illimités et que vraiment tout est possible. Après, une autre prise de conscience, c'est que je dirais que le monde n'est pas si malveillant et qu'on rencontre la bienveillance et qu'elle permet aussi ce switch de manière à sentir bien dans le monde et pouvoir élaborer aussi ses projets de vie, ses projets de ses futurs projets et ce qu'on a envie de mener. Donc il y a eu beaucoup de clarté qui se sont définies au fur et à mesure. Alors on repart avec Le petit calepin où il y a le petit plein de calepin trucs avec plein de écrits choses dessus. voilà. Ouais. Et conscience aussi de ce que permet d'écrire, de ce que permet d'ancrer l'écriture et de poser, de déposer. Et donc de créer un engagement par rapport à ce qu'on a écrit. Voilà, on a beaucoup joué aussi. Ouais, bah super, Ça bravo. te Bah, va? écoute, merci Voilà, pour merci ce à toi. partage et bravo pour cette mise en marche, en fait. Je crois qu'il y a vraiment une très très belle mise en marche, Dominique. Et waouh, c'est que du bonheur, en fait, de te voir. Et je sais que ça a été confrontant cette semaine avec la marche, avec parfois certaines interactions, etc. Et tu as su vraiment déposer les choses. Avoir l'authenticité quelque part d'en parler, de déposer pour pouvoir les transformer. Et ça, bravo à C'est toi ça. parce Ben, que, c'est un espace qui était waouh, là pour ça aussi, et je pense que voilà. mais tu as eu le courage quelque part de le faire, tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que la marche n'était pas non plus facile
pour toi. Mmh. Et vraiment, voilà, je tiens à le souligner parce que c'est aussi ça qui t'a permis de te mettre vraiment en marche mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as dépassé certains inconforts. Mmh. Et ça, c'était beau à voir. Enfin, c'est beau à voir aujourd'hui. C'était peut-être pas facile à vivre cette semaine. Et pour ça, ouais, vraiment. Merci à plein toi. Plein de bonnes choses. Voilà. Merci, merci Dominique. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ciao, ciao. Et on vous dit à très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.